Aujourd'hui, en France, des millions de Français ont du mal à finir le mois. Et dans nos rues, il y a de plus en plus de SDF pour qui se nourrir est un combat quotidien. Quand mes parents ont quitté l'Iran en 79 pour fuir le régime islamiste iranien, ils sont venus en France, ils ne sont pas allés dans un autre pays, ils sont venus en France. Nous sommes nés ici avec mon frère jumeau. Moi j'ai un devoir, il faut que je rende l'ascenseur à ce pays qui m'a fait. J'ai eu accès ici à la culture, au savoir, au transport, à la santé, l'accès à l'éducation, à l'instruction. J'étais étudiant en droit. Il s'avère qu'après avoir payé mon loyer de 400 euros, il ne me restait que 400 euros. Donc pendant 3 semaines, j'essayais de bricoler avec des bouts de ficelle. C'était très difficile. Donc j'avais une méthode, c'était couper mon repas en deux pour essayer d'économiser. Quand vous avez faim, vous avez honte. Donc je le disais à personne. Je prenais mon mal en patience et je m'étais promis que j'allais finaliser rapidement mes études et que j'allais me faire élire pour faire changer une loi qui empêcherait des êtres humains qui ont faim de fouiller dans une poubelle. On a en France 10 millions de Français qui, le 10 du mois, sont en déficit sur leur compte en banque et n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Ça, c'est pas tolérable. Et en face, on a, sur chaque supermarché, 50 kilos d'invendus consommables. Ça, ça a une valeur. Et ça, c'est quelque chose qui sont deux absurdités qu'il fallait réunir. L'associatif, c'est un des ciments de notre pays. Alors moi, en tant qu'élu, l'objectif pour moi, c'est d'aider ces associations pour que justement, il n'y ait plus d'objets à servir, c'est-à-dire la faim et la soif. Les associations comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou la Banque Alimentaire s'engagent parce qu'il y a une lacune de l'État, parce qu'il y a une lacune des élus. Manifeste contre le gaspillage, c'est un livre qui est en 3 parties. Première partie, les coulisses de la loi, qui a trouvé son ultime terme le 9 décembre dernier avec un vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale. La deuxième partie, c'est une partie sur le gaspillage alimentaire, des trucs et astuces. Ce sont des paysans, des agroalimentaires et des agriculteurs qui m'ont donné ces astuces tout au long de ma campagne sur cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a des trucs et astuces notamment sur la date de péremption. C'est très détaillé sur les légumes, sur les fruits, sur les produits laitiers, sur la façon de conserver par exemple les boissons gazeuses, sur la façon dont il faut se comporter avec l'eau. Et la troisième partie, c'est sur le gaspillage en général. En réalité, ce livre, avec notamment cette partie sur le gaspillage alimentaire, permet en fait de montrer que rien ne se détruit mais tout se transforme. Nous sommes 7 milliards sur la planète Terre, mais nous vivons comme 9 milliards. Nos méthodes doivent changer, notre culture, nos valeurs doivent changer. Et ça, c'est très important. Si chaque supermarché qui jette 50 kilos de nourriture équivalent à 500 euros permettant de nourrir 100 personnes est ratifié dans l'Union européenne, on fera reculer la faim d'un tiers au minimum. C'est quelque chose qui est immédiat. Et ça, c'est la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est quelque chose qui permet de façon rapide, immédiate, d'avoir un impact sur la vie des gens. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'est très cher.